On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit la conseillère municipale Patricia Poisson du quartier NDL et d'une portion de Saint-Gérard-Ouest. Elle va nous faire un peu le bilan de sa première année comme conseillère, parler des enjeux pour les trois prochaines années. Mais d'abord, il a réussi non pas une, non pas deux, mais trois parties parfaites. On parle de quilles et on parle ici de Jean-Sébastien Leclerc. La semaine dernière, après notre production télé du mardi, l'un de nos caméramans, Armand, nous dit « Hey, les gars, vous savez pas quoi? Il y a un gars que je connais qui a eu trois parties parfaites au quai. » Là, j'ai dit « Wow, c'est incroyable. » Il dit « Faut inviter ce gars-là. » Deux jours plus tard, je rouvre le Canada français et je vois un article en page 3 sur une performance historique de Jean-Sébastien Leclerc. Il est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ça fait combien d'années que tu joues au quai? Maintenant 17 ans depuis septembre cette année. Ça a commencé comment? J'ai commencé à l'âge de 11 ans au Centre Multisport, qui est propriétaire de Claude et Ginette Dumont. C'est un de mes amis qui m'a intégré à ce sport. Puis j'ai commencé au niveau junior le samedi matin, comme dans la plupart des salles de quilles. J'ai toujours gardé l'intérêt aujourd'hui à hier. Bon, quand tu avais 11, 12, 13, 14, 15, étais-tu comme quand même pas mal bon? Avais-tu déjà un talent naturel là-dessus? Bien, la première année, je vous dirais que c'était comme en développement. Mais au fil des, je vous dirais, dans les 3-4 dernières années précédentes, le talent s'accentuait. Oui, exactement. C'est quoi? C'est tes parents ou tes amis qui t'ont amené là? Oui, mes parents, ils ont joué. Mon père, la plupart des familles... jouais déjà auparavant. Donc, quand j'ai commencé, je faisais les juniors au Centre Multisport, puis je jouais dans la salle de quilles Richelieu, qui est ici, pas loin, au sous-sol. Et puis, j'ai joué là 2 ans. Puis après ça, j'ai continué le développement là, au Centre Multisport. À partir de quel moment où il y a eu un effet ou un événement déclencheur pour passer d'un loisir à visiblement une passion beaucoup plus importante. Et est-ce qu'il y a eu un moment en particulier? Bien, il y a surtout le fait qu'au Centre Multisport, la Ligue contenait 72 joueurs, OK, à tous les samedis. Puis là, il y avait des instructeurs à sur chaque paire d'allées. Puis, il y avait des groupes de personnes qui faisaient des qualifications, niveau junior toujours. Et puis, ces qualifications-là nous permettaient d'accéder à des finales provinciales. Donc, la finale provinciale, des fois, c'était des médailles qui étaient récompensées. Et puis, il y avait aussi certains tournois que, là, il y avait possibilité d'enregistrer à la télévision dans le temps que c'était TQS, aux émissions de quai. Bon. Là, évidemment, tu as amené différentes découpures de journaux ici devant nous. C'est laquelle qui est la plus vieille là-dedans? La plus vieille, c'était la première partie parfaite. Ça, c'était en quelle année? Je dirais en 2002. 2002. Indiqué, donc, ça a 12 ans, ça, là. Oui. Ça, c'était ta première partie parfaite. Oui, la veille de mes 18 ans. Donc, la veille de tes 18 ans. Oui. Une première partie parfaite. Mm-hmm. Comment on se sent? Ah, c'était très excitant. C'est sûr que, comme on dit toujours, une partie parfaite, ça ne se prévoit pas. Mais il y a une certaine chance puis un certain talent. L'autre article que tu nous as amené, le plus récent par la suite, c'est lequel? C'est celui-ci, je présume? Oui, ça, c'était ma première finale provinciale qui se déroulait à Plessisville, près de Victoriaville. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était dans les années 2009. 2009? L'année suivante. Donc, c'est un petit peu plus récent. Oui. Donc, excusez-moi. Donc, tu avais participé à une finale provinciale. Exactement. Puis, c'était quoi ton score final là-dessus? Vaguement, je vous dirais que j'avais fini peut-être dans les 40 premiers, mais la compétition était très féroce. Puis moi, je commençais dans le haut niveau élite dans ce cas-là. Bon, qu'est-ce que c'est ça ici? Ça, c'était ma deuxième partie parfaite qui avait été faite sur les allées 7 et 8 au Centre Multisport. Puis en même temps, ce soir-là, j'avais réussi un triple de 814. Ça veut dire quoi, ça, pour les gens qui ne connaissent pas les quilles? Une deuxième partie parfaite, bien, l'année d'avant, j'avais réussi à en faire la première, comme tu l'as indiqué tantôt. Puis la deuxième, c'est une partie parfaite, puis 814 au total des trois parties. Bon, et ça ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la première partie parfaite que j'ai accomplie au Royaume des Quilles, un salon extrêmement difficile, que je dirais qui compte environ une vingtaine de parties en 50 ans d'existence. OK. Et celle-ci? Et celle-là, ça, c'est ma plus fière, je trouve. Pourquoi? Parce que c'est le tournoi des maîtres. C'est un tournoi qui comporte 10 parties, une partie par allée.
On est à peu près 60 joueurs. Puis le montant du gagnant s'élève à peu près à 500-600 $. Bon. Là, ici, on parle de trois parties parfaites. Donc, c'est trois parties consécutives. Exactement. Une partie parfaite, tu en as déjà faite. Oui. Deux parties parfaites. Deux consécutives, non. C'est la première fois. Mais là, c'est trois. Oui. C'est encore mieux. Oui. Ça, c'était quand, ça? Ça, c'était le 5 novembre. Ça fait pas longtemps, là. Non, il y a deux semaines. Au multisport. Oui, exactement. Au petit. Oui, sur la ligne 9 et 10. Est-ce que ça a une importance pour toi de savoir que tu as réalisé ton exploit sur une allée plutôt qu'une autre? Bien, il y a des allées qui sont plus difficiles que d'autres parce que les planchers ne sont pas toujours égales. Mais c'est sûr qu'il y a des allées qui sont plus aptes à avoir des plus hauts pointages que d'autres. Est-ce qu'il y a certaines difficultés dans différentes salles de quai? Et la 9 et la 10, est-ce qu'elles sont plus faciles ou plus difficiles? C'est des allées qui ont plus tendance à avoir de scores. Mais c'est la constance qui a fait la différence. Bon, ça, c'est ce que les gens ont pu voir dans le Canada français la semaine dernière, donc en page 3. Performance historique. Donc, ça veut dire qu'au multisport, jamais personne n'a eu trois parties parfaites. Non. Puis, c'est surtout le fait aussi que, pas seulement au multisport, c'est qu'à travers le Québec, c'est très rare aussi. Ça peut arriver, il peut y en avoir d'autres dans d'autres salles de quai qui peuvent avoir des triplés de 900, mais c'est pas seulement au centre multisport, c'est le Québec en général. C'est quoi le record au Québec? Y en a-tu un record? 4, 5, je sais pas, ça existe-tu? Bien, le maximum qu'on peut faire, c'est 900. Mais vous voulez dire... Je sais pas, au Québec, est-ce qu'il y en a qui ont des exploits aussi similaires aux tiens dans l'histoire des quais au Québec? Bien, il y en a qui ont déjà accompli le triplé de 900, mais par contre, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, qui est fréquent, oui. Trois parties parfaites au quai, c'est-tu comme un trou d'un coup au golf? C'est encore mieux, je trouve. Parce que je trouve que les quilles puis le golf, c'est deux sports qui se ressemblent beaucoup. Parce que tu as vraiment la vision des choses, puis la concentration, la coordination, puis la confiance. Là, comment tu... Bon, après ta première partie parfaite, là, tu te dis, ben, je suis fier, mais je l'ai déjà fait dans ma vie. Après ta deuxième partie parfaite, là, c'était quoi ton feeling? Comment tu te sentais? Bien, moi, je dirais, comme j'ai dit aux gens, la deuxième a bien passé, surtout parce que j'avais beaucoup de support dans la salle de quai. Tu sais, les gens, ça aidait beaucoup parce que les gens, ils étaient... Tu sais, ils visionnaient à chaque fois que j'allais sur les allées. « Ah, Jean-Sébastien, il s'en va jouer. Checker ça, puis tout. » Puis moi, je restais toujours concentré, puis dans ma bulle, comme on peut dire. C'est mon nuage. Puis, quand la deuxième a été accomplie, il commençait à avoir un stress qui commençait à remonter parce que là, c'était la première fois que ça arrivait bon. Que j'en avais deux consécutifs. Parle-nous de ton état d'esprit durant la troisième partie et notamment dans les dernières portions de la partie. Là. Bien, tout allait bien jusqu'au sixième carreau, je dirais. Mais tu sais, c'est... En la concentration, ça prenait toujours plus de secondes que la normale. Parce que normalement, quand on se place sur l'allée, ça prend environ 4 secondes pour lancer la boule. Mais là, ça en prenait peut-être 5-6 parce que chaque lancer était important. Mais à partir du sixième carreau, là, l'adrénaline a monté. Là, c'est dur à décrire, là, c'est très excitant. Puis là, ça prenait encore plus de concentration pour finaliser la soirée parfaite. Là. Une partie parfaite, dans le fond, c'est combien de carreaux? C'est 12 abats consécutifs. Oui. Fait que là, à un moment donné, tu en as fait 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10. Puis le dernier, le 12e, en fait, le 36e, je devrais dire, le 12. Il était pesant. La boule était plus pesante que la normale parce que le corps réagit à l'adrénaline. Fait que... J'avais vraiment une surexcitation intérieure, mais avant de lancer la 12e boule, là, je me suis placé, là, puis je me suis dit, tu sais, un peu comme quand, parce qu'auparavant, j'ai déjà passé à la télévision pour les quilles, tu sais que ce lancer-là est déterminant pour la soirée, c'est le clair. 900, puis tout ça. Fait que j'ai visualisé, puis j'ai dit, regarde, marche tranquillement, Jean-Sébastien, tu sais que tu es capable de le faire. Tu as réussi à en faire 35, tu es capable de faire le 36e. Le succès d'un abat, c'est quoi? Parce que moi, ma blonde dirait que moi, je serais probablement capable de faire trois parties, mais très imparfaites, avec beaucoup de dallos.
C'est quoi le succès? C'est la posture, c'est le nombre de bien, pas, c'est l'endroit où tu la laisses tomber, c'est la façon dont tu la laisses tomber? C'est un peu de tout. Ça part à la position de départ qu'il faut que les épaules soient toujours parallèles à l'allée. Fait que si, exemple, on part d'un côté que l'épaule droite, exemple, est plus basse, bien, rendu à la ligne, c'est certain que le bras finira pas droit. Donc, okay. La position de départ est très déterminante. Puis après ça, c'est la disposition des pas. Parce que les pas doivent être progressifs. Mais toi, là, les petites flèches à terre, là, est-ce que tu regardes ça? Non, bien, les flèches, c'est plus pour les grosses quilles. Parce que les petites, il n'y en a pas? Oui, bien, c'est des planches. OK. Mais les planches, eux autres, sont déterminantes parce que c'est là que c'est à l'endroit. Les quilles, là, c'est un endroit fixe au départ, mais il y a un autre. C'est un autre endroit que toi, tu visualises pour que la boule la puisse passer à l'endroit que tu veux. C'est ça la différence, c'est que c'est la constance qu'il faut avoir dans ces situations-là. Ah, c'est plus complexe qu'on pense. Est-ce que les souliers et la boule font une différence? Bien, les souliers, non, mais les souliers, c'est pas mal standard, là, mais ouais. Il y a différentes qualités, évidemment. Mais les boules, c'est le concept. Il y a des boules qui sont plus dures que d'autres. Il y en a qui sont plus avec du... J'en montrerai une. Il y a plus de caoutchouc. Tu sais, okay. Ça, c'est tout et dépendant. Et toi, celle que tu utilises, c'est quoi? C'est une boule... c'était des Tigers. Là. C'est un peu comme les anciennes Brunswick. Dans le même principe, mais plus révisionniste. 3 livres 12 onces, 5 pouces. 3 livres 12 onces, 5 pouces. Oui. Évidemment, c'est une prise par le haut. Oui, exactement. Puis... là, tu la déposes? Oui. Mais il faut toujours garder que quand on est rendu à la ligne noire, c'est pas à l'endroit qu'on regarde où est-ce qu'on a notre pied à l'arrivée. C'est vraiment plus loin, un petit peu plus loin. Exemple, un pied ou un pied et demi plus loin mais que la ligne noire. Mais quand tu la déposes, est-ce que tu donnes un bon élan ou c'est toujours le même c'est élan? C'est toujours le même élan. C'est la position de départ, quatre pas, dont la glissade. Là, le quatrième pas, c'est la glissade. Mais le bras fait tout le temps un balancier comme une horloge. S'il ne fait pas un balancier, c'est comme saccadé comme démarche. Là, tu joues combien de fois par semaine? 3 fois. Ça fait 17 ans que je joue. Et tu ne te tannes pas? Non. Une fois qu'on a accompli 3 parties parfaites, là, il reste quoi à accomplir après ça? C'est de répéter ça. Est-ce que c'est répétable? Bien, ça peut être répétable, mais peut-être plus, exemple, s'approfondir niveau compétition, exemple extérieur. Mm-hmm. Ce que j'envisage peut-être, là, mais des fois, il y a des priorités qui changent. Puis, c'est sûr. Mais le fait que je joue 3 fois dans une ligue, c'est juste parfait. Les gens doivent être contents de t'avoir dans son équipe. Oui. Ouais. Puis je côtoie des gens de Saint-Jean aussi qui ont vu l'article dans le Canada français. Bien, Jean-Sébastien, merci beaucoup. Félicitations. Merci, Éric. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit la conseillère municipale Patricia Poisson. Dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses bêta, version 3.0, de retour cet automne. Depuis le début de la saison automnale, on a reçu ici même à l'émission la vaste majorité des conseillers municipaux. Question de faire un peu le bilan de la première année, surtout dans le cas des nouveaux principalement. Parler également des enjeux pour les 3 années qui restent au présent mandat. Il nous en reste quelques-uns à passer. C'est le tour ce soir donc de Patricia Poisson. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Donc déjà 1 an, parce que l'année passée, c'était la campagne électorale avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats. Effectivement. Vraiment beaucoup. 6 dans mon secteur. 6 dans votre quartier. Oui. Donc là, maintenant, on est 1 an plus tard. En même temps, votre père était déjà conseiller. Donc, vous connaissiez déjà un petit peu la poutine de l'hôtel de ville. Mais c'est quoi la différence entre en entendre parler par son père, une fois de temps en temps, et le vivre à titre de conseiller, conseillère municipale?
On va être honnête, là, c'est deux mondes. C'est deux mondes? C'est deux mondes. Il vous avait pas tout dit. Lui, il avait tout dit, mais sauf que, tu sais, je suis partie là ce soir, je vais... Oui, il avait juste dit les bons côtés, c'est ça? Mais ouais. J'ai une réunion, mais toi, tu es chez toi pendant ce temps-là, alors ouais. L'impact, tu la connais moins. Et je travaille aussi à temps plein. Alors, c'est du 60-70 heures semaine, si on veut être Est-ce que présent. C'est ça qui est le plus étonnant? C'est le nombre d'heures que ça exige? Est-ce que c'est plus que ce qu'on pense? Comme je te dis, oui. Pour moi, c'est plus. Parce que c'est sûr que je siège à mes comités. Je vais quand il y a une activité qui est en relation aussi à mes comités. Je suis là. Puis même quand il y a pratiquement le plus d'événements possibles ou de CA ou de réunions, j'y suis. Alors, c'est pour ça que ça fait beaucoup d'heures au bout du compte. Bon. Et ça, c'est assez quand même, je dirais, répandu, parce que la plupart de vos nouveaux collègues, là, ceux qui, comme vous, avaient moins d'un an d'expérience comme conseiller, ils nous disent à peu près tous la même chose. On savait que c'était du travail, mais on ne savait pas que c'était autant de travail. C'est ça, mais c'est comme je dis aussi, certains sont à la retraite. Ouais. Alors, si je faisais plutôt juste ça, je pense que je serais correct, j'aurais juste un travail régulier. Bon. Qu'est-ce qui vous surprend ou vous étonne ou vous déçoit dans l'appareil municipal, mis à part le fait que c'est beaucoup de travail? Qu'est-ce qui vous a étonné dans cette première année du mandat? Ce qui m'a étonné, il faut être dans la machine pour voir tous les rouages que ça amène vis-à-vis un projet, vis-à-vis une situation. Alors, tu dis, mais ça me semble c'est pas compliqué, on fait ça comme ça, comme ça. Ah non, non, mais là, il faut peut-être demander au membre, faut regarder ou consulter les citoyens. Faut voir s'il n'y a pas une question d'environnemental aussi. Alors, tous ces points-là font que le projet, bien, ça va moins vite la que je pensais. La complexité des dossiers. Il y a un rouage municipal. Hein, et je pense que quand on n'est pas là, on n'est pas conscient de ça. Parce que des fois, quand on commence en politique, puis on a un brin de naïveté, puis c'est correct aussi, là. On est rempli de bonne volonté, d'engagement et tout ça. Est-ce qu'on sent que là, bien, pas qu'on est ralenti par la machine, mais qu'on doit composer avec la machine pour faire avancer nos affaires? Faut que tu composes avec la machine. T'as pas le choix, parce que sinon, ça se fait pas. Alors, faut que tu sois vraiment... Puis c'est là qu'on est chanceux. Bien, je trouve qu'après un an... Bon, on a plus l'expérience de savoir à quelle porte qu'on doit frapper. Ouais. Parce que des fois, tu dis, ah, je vais faire ça demain, je vais le voir. Ah, bien là, tu as été voir telle personne. Ah non, OK. Fait que là, si tu reviens en arrière pour voir telle personne avant. Fait qu'il y a des étapes, puis ça, bien, ça s'apprend. Fait que c'est là qu'on Donc, il faut composer avec les rouages administratifs, mais est-ce qu'il faut également composer avec la joute politique? Parce que c'est un conseil, il y a 12 conseillers, il y a un maire, il y a une nouvelle dynamique, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Il y en avait qui étaient élus sous le parti Fecto, Vision Le Grand, Équipe La Plante, des indépendants. Il y a aussi la joute politique. Et ça, comment vous la vivez, ça? Ça, je suis comme Obélix. Je pense que je suis tombée dedans petite aussi. Fait que ça, la politique, c'est un point que je connais bien. Puis je pense que la politique, c'est comme ça. Une journée, tu gagnes, puis le lendemain, tu perds, puis c'est ça. Alors, et quand on est pour un projet, on est pour un projet. Quand on est contre un projet. On n'est pas contre quelque chose ou contre quelqu'un. C'est vraiment le principe qu'on ne croit pas ou on n'a pas la même vision que les autres, mais ça s'arrête là. Bon, en un an, il faut quand même l'avouer, il n'y a pas eu beaucoup de votes là, sur quelques dossiers. Généralement, le conseil est pas mal unanime. Évidemment, vous avez vos discussions en plénière, ce qui est correct, mais publiquement, quand vient le temps de décider, les votes sont quand même assez rares, notamment sur le budget ou dans le projet Colibri, où rapidement le nouveau conseil a pris position. Là, il y aura un nouveau budget dans 3 semaines. On verra si tout le monde sera encore unanime. En tout cas, on verra la réponse dans quelques semaines. Mais est-ce que l'ambiance quand même relativement bonne avec les collègues, justement, quand vient le temps de pousser les dossiers ou de sensibiliser nos collègues à nos problématiques de quartier? Bien, je pense que tous les conseillers qui sont alentour de la table, en tout cas, je vais parler aussi pour moi, il faut s'élever au-delà de ça. On est là pourquoi? On est là pour représenter les Joannais, les Joannaises. Alors, si c'est une question de logique, de nécessité, si on parle d'infrastructure, qu'une maison en 2014 n'a pas d'eau, on ne peut pas voter contre ça. C'est illogique. Alors, tu sais, c'est une question de gros bon sens aussi. Là. Quels sont à peine un an, là, mais quels sont les dossiers que vous avez pu pousser dans le quartier? Là? Des demandes, peut-être que des dossiers que votre père avait commencé, là, mais qu'est-ce qu'on a pu faire en un an dans le quartier NDL? Bien, je vous dirais que je suis rentrée là vraiment avec mes dossiers, mes objectifs au niveau de la campagne électorale et tout ça. Puis j'ai eu une belle année. Je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai effectué en un an. On a juste regardé le projet Oriflamme. Oui. C'est un mois après que j'ai été élue
que j'ai amené le projet à l'Hôtel de Ville. Puis on a quand même une belle visibilité avec ça. On est les deuxièmes au Canada. On a passé partout. Le Canada a parlé de nous à cause des Oriflammes. Ensuite, tout ça avec les vétérans. On était le Ville-Garnison. C'est moi qui ai apporté aussi le coquelicot pour nos vétérans. Si on parle de mon secteur, je vous dirais que j'ai fait asphalter les sentiers piétonniers au niveau de Nolin et Morel, le petit parc qui est dans le milieu. C'est à quel endroit, ça? C'est juste à côté du cimetière et entre industriels. OK. OK, il y a des petites rues résidentielles en arrière. Alors, il y avait un parc là, fait que j'ai fait asphalter les sentiers piétonniers. C'était une dans mes priorités électorales. Ensuite, les jeux d'eau qui étaient aussi ma priorité électorale. Sinon, j'avais mis mes pancartes en disant au parc Raymond-Lefebvre, les jeux d'eau. Ça, c'est dans la partie Saint-Gérard. Exactement. Fait que c'est les réalisations à l'été 2015 aussi. Et il va y avoir des ajouts également de balançoires, mais pour enfants de 0 à 5 ans, dans le parc NDL et Georges Langlois, qui se trouve être situé entre Lanoux et Brault. On a beaucoup de garderies. Oui, dans ces abords-là. Puis, à ce moment-là, il y a plus des balançoires pour les plus vieux que les plus petits. Alors, pour contenter les garderies qui sont là, ça a été des demandes lors de mes porte-à-porte. Allez-y. Excuse-moi. Puis, je te dirais aussi que le boulevard industriel a été refait. La petite oui, couche, ça, oui. C'était... Ben, d'ailleurs, oui, ça fait des années. C'était assez incroyable. Oui. C'était... Bon, on s'entend qu'il y a du camion lourd là, là-dessus, effectivement. Là, mais c'était... atroce, là. Exact. Puis je vais juste quand même préciser qu'il y a eu seulement une petite couche de réfection comme à la grandeur des rues, parce que dans 2 ans, j'ai parlé avec les directeurs généraux. Ça va être à refaire, ça? Oui, exactement. C'est le fond qui est à refaire. OK. Donc là, c'est pour ça qu'on ne voulait pas investir. C'est vraiment juste temporaire pour en attendant parce que ça n'avait aucun sens. Là, il est arrivé quoi avec la traverse de chemin de fer qui faisait comme un pouf, pouf? Mais ça a quand même été rapide, hein? Oui, non, mais c'est parce que... ils l'ont réparé, là. C'est ça, moi, je passe là presque à tous les jours. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bien, j'ose croire qu'ils vont égaliser ça, parce que là, c'était super doux, mais il fallait monter la butte pour y arriver ou descendre la butte. Oui, exactement. Là, c'est pour ça, je pense que 2 jours après, on a appelé le MTQ, tout ça, et c'est le chemin de fer. Puis je pense que 3 jours après, ils étaient là pour arranger le tout. Qu'est-ce qui va rester à faire dans les projets peut-être un peu plus à long terme? Il vous reste 3 ans au mandat dans la partie NDL ou dans la partie Saint-Gérard-Ouest. Qu'est-ce qui reste à faire comme projet majeur d'ici 3 ans? Le projet majeur, je vous dirais aussi Saint-Gérard-Ouest. On aurait été réapproché par un groupe de citoyens pour le mur. Ah oui, ça revient, ça? Ça revient. Un mur anti-bruit, donc, le long de la rue Nouvelle-France? Exact. Alors, on les a rencontrés, tout ça. Et nous, c'est sûr que c'est l'autoroute, c'est le territoire MTQ. Et on connaît aussi au niveau du PTI toutes les coupures budgétaires qu'on a à faire. Alors, les citoyens s'orientent vers un recours collectif contre le gouvernement. Ah, oui. Ouais. Bien, un peu sur le même procédé qui a été fait justement à l'autoroute 73 à Québec. Ouais. Alors, j'ai été en contact avec la mairesse, pas la mairesse, excusez-moi, la promaire là-bas, pour voir comment ça s'était passé et tout ça. Bon. Autre dossier, vous siégez sur le conseil d'administration des Montgolfières. Oui. Là, évidemment, ça a fait jaser un peu dans les dernières semaines parce que, bon, le conseil a dû voter une somme de 550 000 pour le déficit, en plus d'allonger peut-être un peu d'avance la subvention. On a devancé la subvention pour 2015. Et on avance une somme aussi pour les réservations de spectacles. Bon, ça, c'est l'autre bout parce que, et je sais que le nerf de la guerre, c'est la programmation. Puis c'est parfois difficile, un an d'avance, de réserver des artistes. Un, il faut comme prévoir qu'ils vont être bien hot là, au mois d'août. Exact. Il y a comme une prévision là-dedans. Là, il faut les réserver. Il faut que les dates fonctionnent avec l'artiste. Effectivement. Et le montant prévu au budget. Puis là, je pense que vous devez mettre des sommes en jeu là-dedans. Là. Puis je vous dirais, M. Latour, l'année passée, où ça a été aussi à ce niveau-là une problématique, on dit on veut appeler tel artiste, on veut le réserver tel soir. Ah, lui, il a signé avec une grosse maison. Alors, eux, ils ont l'exclusivité. Fait que même s'il est libre ou quoi que ce soit, on ne peut plus nous les avoir. Ouais. Alors, tant qu'on, c'est pour ça qu'on dans le fond, on a fait une avance pour pouvoir réserver ces artistes-là simplement, puis ça va être remis à la ville. Donc, une réserve, une avance de fonds, donc pour réserver les artistes, devancer la subvention, le déficit. Bon, évidemment, le festival était déficitaire dans ses 2 dernières éditions, mais il y avait des surplus qui ont pu compenser. Ouais. Là, la caisse était vide. Là. Exact. Elle était vide. Puis, on ne se leurra pas, là. OK, on a beau dire la programmation. La programmation...
mettons que ça n'a pas été la meilleure année comme en 2011, mais ça ne peut pas être toujours des 2011, on s'entend, c'était ouais. exceptionnel. Il a commencé à pleuvoir, là. Dans la nuit du lundi, la dernière envolée fut le lundi matin, parce que le lundi soir, il y avait trop de vent. Je pense que 4 ballons, souvenez-vous, ils ont atterri dans les rues à Saint-Luc. Fait que là, après ça, il s'est mis à pleuvoir le lundi soir et on n'a pas eu d'envolée jusqu'au dimanche. Et il a plu à tous les jours, sauf le dimanche, en après-midi. Ça ne peut pas être comme ça pendant tout le temps. Là. Ça, c'est impossible. Alors, c'est des retombées, c'est des entrées qui ne sont pas là. Dernière question, parce que votre collègue Fontaine disait ça lundi au conseil. Il disait oui, il fait de la météo, puis oui, de la programmation. Mais donner un autre enjeu, les locaux, les gens d'ici qui vont moins au festival. Statistiquement, c'est eux qui sont moins au festival. Beaucoup? Je te dirais un 10 % de mémoire au moins. Ouais. Donc ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu parce que le festival, me semble, la ville, c'est Saint-Jean, c'est le festival. Puis c'est comme lui disait, tu vas partout au Québec. Ah, le Festival Montgolfière Saint-Jean, on est reconnu. On parle du festival le plus familial au Québec. On est là. Oui, il faut attirer le monde de Saint-Jean. On va regarder exactement la restructuration du site. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est sûr qu'il y a des infrastructures en dessous, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On aimerait bien. Patricia Poisson, merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. Merci. Restez avec nous. Au retour, c'est le Bavière quotidien. On a procédé à la plantation de 1500 arbres. C'est un projet chapeauté par le COVABAR, donc c'est un boisé dans la section de la rue des Carrières, section des Carrières, en fait, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu, chaque semaine, on vous présente cette émission qui vous présente, bien sûr, donc des extraits du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. N'oubliez pas le télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix au câble neuf. La carte pleine est à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos petits livrets de bingo. Pour connaître la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Le prochain rendez-vous d'Éric Latour.com, c'est demain. Bye-bye.